She said she want me back. I never made a promise of a faithful tire. Till the day she got me caught, I thought she was a... Hello la famille, bienvenue sur vos repas de Buzz Pro Max, vos repas qui fait dans l'actualité sur les stars en temps et en heure réelle, vos repas spécialisés dans le Japabukere, tout ce qui concerne les stars en Afrique. Aujourd'hui, nous déposons une fois de plus nos valises dans la famille des Buzz. Nous arrivons une fois de plus chez les Makuso et cette fois-ci, nous allons parler des... La deuxième née de Camille Makuso, qui est Metti Makuso. Cette jolie bombasse, oh là là. Celle que j'aime le plus, c'est ma préférée. Hein. Désolée, mais bon, chacun a sa préférée. Certaines gens préfèrent beaucoup Kimi, mais moi j'aime Metti. Et depuis fort longtemps, je l'observe. Il faut aussi noter que c'est elle qui ressemble beaucoup à la feu femme de Makuso qui est décédée, Mama Tati. C'est vraiment la copie conforme. Je suis sûr qu'à chaque fois que le père voit Metti, il revoit sa femme. On peut l'observer là, elle est toute belle. Et également pour moi aussi, elle restait là, plus jolie. Mais bon, elle rivalise avec Paris. Hein. Parce que même Paris, qui est sa petite sœur, également très jolie. On peut la voir là, elle a un crisse crémoussé, toute jolie là et tout. Ouais, Makuso a raison. La dos de ses filles vont vraiment. Écoutez, c'est une comme métier comme ça là, c'est la taxe qui m'y a à 5, si c'est 5 millions, si c'est combien métier, alors ça sera combien. Depuis qu'elle est arrivée à Paris, qu'elle a recouvré ses sœurs et ses frères, elle est vraiment toute jolie, très heureuse, elle profite du bon temps, elle fait sa best life. Il faut noter que elle aime beaucoup sa grande sœur et je pense même que c'est elle que le deuil de leur maman a beaucoup affecté, parce qu'elle était vraiment et vraiment touchée quand tu la vois, même et même d'après ce que le papa a dit, elle est vraiment due de caractère, elle a du caractère, ne se laisse pas faire et tout. Je pense même que quand elle va avoir son bac, qu'elle va décider de lancer sa carrière là, elle peut faire des ravages, puisque Kimi, elle aime beaucoup sa soeur, elle a pris tout l'amour qu'elle ressentait pour sa mère, elle a déversé ça sur sa soeur et leur soeur vraiment comme le mère. Quand j'avais appris que qui n'est pas à nouveau, je me demandais bien comment Metti allait faire, mais quelques temps après, son père a bien fait le fait qu'elle parte repasser son bac en France. Je pense que cette fois-ci, ça sera la bonne. Et il a maintenu près de sa sœur, c'était vraiment la meilleure solution. Elle est très jolie, en fait, même d'abord en général. Toutes les enfants de Makuso sont très belles. Ses filles, même son petit garçon là, c'est un bon peu croustillant. Hein. Je sens que lui aussi va faire la une des réseaux. Elle n'est pas bénie, oui, comme Kimi, parce que Kimi, elle se laisse trop influencer, elle est maternelle et tout. Tout ce qu'on lui dit, elle dit seulement oui, elle accepte pour ne pas vexer, pour ne pas frustrer. Elle est vraiment maternelle, quoi, comme vous voyez nos mamans faire si. Elle est rassembleuse et tout, mais bon. Quand tu accouches les enfants, on dit généralement chacun son caractère et c'est ce que je suis en train de voir. Mais si tu es très jolie, Adama, on peut être belle comme ça, là. J'adore même ta crèche, elle est très belle. Et ta vidéo, vraiment, tu es très top sur ça, waouh. Faut penser à faire même Miss Côte d'Ivoire, hein. Parce que je sens que si tu gagnes Miss Côte d'Ivoire, ton papa va faire le boucan sur le net jusqu'à. Bon, la famille, c'était juste mon point de vue pour parler de la jolie Metti Makuso. J'espère que vous portez bien et que votre semaine a bien débuté. Prenez soin de vous et je remercie tous ceux qui sont abonnés à notre page, qui nous soutiennent tous les jours à travers un like et un partage. Vous êtes les meilleurs et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.